De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Ça s'améliore pas. Non, le choc a été violent. Très. Bon, j'avais promis de t'aider, hein. Tu sais à quel point je t'aime. Hein. Mais celui qui m'a promis de l'argent, il m'a demandé d'attendre encore. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Hein. Dès qu'il me donne, je vais te remettre ce que je t'ai promis, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu n'as pas confiance? Ne t'inquiète pas, Mama Choco, ça va aller, hein? Tu prends quelque chose? Non, quand je suis encore au boulot, je n'aime pas boire. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Non, d'ici très peu, je vais faire ce que j'ai promis. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, je vais retourner à mon cafétéria. D'accord, hein? D'ici très peu, je te fais signe. Hein? Je te rappelle. Allez, bisous. Maman, je ne veux plus que lorsque je viens ici, tu me donnes le pain. On te gronde parce qu'il te donne le pain. Non, mais après, quand je rentre, je travaille beaucoup et j'ai faim. Ouais. Et tu veux quoi alors maintenant? T'aider même à laver les assiettes. Et quand tu vas venir laver les assiettes ici, on ne va pas te taper sur ça. Si je peux même avoir 100 francs, ça va m'aider à manger au moins les beignets avant de dormir le soir. Ah. Et je ne te donne pas alors le gâteau aujourd'hui. Si, maman, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Ouais. Ta tante, c'est une sorcière. Comment une enfant comme toi peut travailler du matin jusqu'à 7h si elle ne lui donne même pas un gâteau? Il faut beaucoup prier. D'accord. Un jour, Dieu va t'aider. Tu as compris? D'accord, maman. Mange doucement, ma fille, c'est pour toi. Mange doucement, tu as compris? Ouais. Oh. Moi, j'avais d'autres clients à voir en bas là, c'est pourquoi je suis passée par le bas ici. Maman, j'étais même gardé la canne. Hey, merci beaucoup, ma fille, Maman Aja. Hey, tu connais Loum? Quand nous on partait au chat, costaud à Loum, on coupait la canne comme ça. Non, hey, c'est trop sucré. Merci beaucoup, je vais sucer ça après. D'accord, Maman. Ah, ma fille, c'est dur, hein? C'est trop dur. Je te dis. Ah, le Seigneur est contre toi, c'est...
Maman Choco, c'est quoi ici? Mais c'est ma cotisation journalière, non? Ta cotisation journalière comment? Aujourd'hui, nous sommes le 22, tu m'as dit quoi? Qui? Tu cotises 1000 fois par jour, non? Quoi, ma fille? La dernière fois, tu m'as pris 30 000, non? Que tu me rembourses ça le 22 avec les intérêts, non? Comment tu fais hein, comme si tu réfléchissais seulement? Je regarde même le calendrier. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui. Ouais, ne commence pas. Le temps l'a filé. Non, mon agent. Maman, viens, tu jettes mon oui, cadeau oui, comme ça. Je suis fâchée. Je vais prendre l'argent et tu me dis que tu viens et tu me dis que nous sommes aujourd'hui quand. Ça veut dire quoi? Quand tu te moques de moi. Avec ce que j'ai cotisé aujourd'hui, ça fait 26 000 €. Comme l'argent, il manque 4 000 €. Il y a quoi? Tu me dis que le 22, je vais me donner 30 000. Maintenant, tu me dis que 26 000 est monté, 26 000 est descendu. Maintenant, c'est toi qui m'apprends mon travail. Ce n'est pas ça, ma fille. Tu n'as pas comment chercher mon argent, tu me donnes. Tu n'as pas comment, ça veut dire quoi? Tu peux comprendre le français là. Cherche mon argent, tu me donnes. Je n'ai pas, j'ai dit que tu retires les 26 000. Non, cherche mon argent, tu me donnes 26 000, ce n'est pas 30 000. Cherche mon argent, tu me donnes 30 000 plus l'intérêt. C'est 3%. Cherche mon argent, tu me donnes. Ouais, maman, je te donne ça demain. Comme ça que vous faites pour arnaquer les gens ici là. Non, c'est pas jusqu'à ce niveau. C'est pas jusqu'à ce niveau. Arnaquer comment? Hé, on m'appelle Maman Choco, tu as compris non? Coupe les 26 000 là et il reste 4 000. 3% là, je ne connais pas. C'est même quoi même? Aujourd'hui, c'est même quoi 20 mois? Les gens viennent me réclamer. C'est quoi? J'ai pas bien dormi aujourd'hui ou bien c'est quoi même? Viens prendre ta canne, tu pars avec. C'est bien quoi ça? Quand tu m'appelles, tu dis ben, ah, il faut vous méfier, il faut respecter les gens. Les 1000 francs, si je souffre sur ça. Bah alors, mon frère. Bonjour, madame. Bonjour. Kalia et vous? Merci. Bienvenue à Fabulo Viti Spanducci. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Ida? Bon, ma chérie souhaiterait se former chez vous. Apparemment, vous êtes très douée en la matière. Ah, ok. Madame voudrait faire quoi particulièrement? Bon, elle m'a dit qu'elle veut faire manucure, pédicure, soins de beauté, tout ça, c'est vous qui maîtrisez. C'est ça, chérie? Oui, make-up, une formation complète. Tout à fait. Ok, je vais me rapprocher de ma gérante, elle va vous donner les modalités. Elle viendra vers vous, vous donner les modalités pour la formation. D'accord, on vous attend. Un thé ou une tisane? Une tisane pour moi. Un thé pour moi. Merci. Merci. Ok, chérie. Là, c'est Fabulous City. Et là, tu parlais de So Fabulous. Tu es sûr que tu t'es pas inspiré de ça? Tout à fait. Ils sont très performants ici. J'aimerais faire comme eux. C'est pour ça que tu as préféré mettre So Fab. Tu es généreuse, monsieur. Ça va, Maman Choco? Ça va un peu, gloire à Dieu. Alors, ça se passe bien? Très bien. Ok. Tu sais, la dernière fois, il était question qu'on se revoie par rapport à comment est-ce qu'on va faire, mais je n'ai pas eu de suite. Alors, j'ai tenu à passer pour qu'on essaie de se dire, quoi. Roger, la dernière fois que tu étais ici, je t'ai dit je suis une jeune veuve. Et alors, c'est dans ça que je me bats pour pouvoir nourrir mes enfants, les faire aller à l'école. Je le sais. Tu n'as encore rien dit. Tu veux que je réfléchisse dans quoi? Je sais, Mamie Chou. Ben écoute, naturellement, je vais te soutenir. Hein? C'est pas un problème. Mais patiente juste un peu, d'accord? Je voudrais quand même qu'on se prenne rendez-vous et qu'on en discute.
Mais ça retarde de façon, je perds même bien la patience. Mais écoute, on va se reprendre rendez-vous et puis on va en parler, d'accord? Je vais t'aider, il n'y a pas de problème. D'accord. Maman Choco, hein? Tu n'as pas confiance? Oh, j'ai confiance. Allez, vas-y, c'est mon tasse. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces par-ci par-là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.